السلام عليكم. اليوم جئتكم بوصفة وصفة لفصل الشتاء وفصل الخريف كذلك، وهي شوربة بالمغربية نسميها الحريرة. الحريرة وهي معروفة جدا عند المغاربة، ولن تخلو طاولة العشاء بيان سور من وجبة الحريرة. Alors, là, je vous amène une soupe qui s'appelle harira en marocain, on appelle harira, ou a shorba. Kadalika, nous sommes à shorba. Shorba ou une soupe marocaine, pareil. Bon, ça n'a pas de shorba, ça n'a pas de shorba. Ça n'a pas de makadir harira, les tomates. Les tomates, c'est environ 1 kilo. 10 si elles sont grosses, 12, moi j'étais petite, alors j'ai mis 12. On va commencer d'abord pour les mettre à bouillir dans l'eau, et comme ça je pourrai commencer à couper mes plantes là, voilà, les persil, coriandre, etc. Bon, je mets tout dans la casserole, voilà. Je mets de l'eau chaude. Voilà. Voilà. On va laisser bouillir. On couvre pour quelques minutes. بعد ما وضعنا الطماطم على النار لمدة بضع دقائق، سنتركها لتغلى مدة quelques ثواني. سأقول لكم المقادير. سأقول لكم المقادير. اللحم مفروم 250 غرام، 250 غرامات من لحم غنمي، إن لم تتوفروا عليه لحم عجل أو ما توفر لديكم. مفروم قطع صغيرة، قطع صغيرة pour الشوربة. بصل صغير هكذا، بصل مفروم أيضا قطع صغيرة، وكذلك الحمص مرطب في الماء لمدة ليلة كاملة. إن لم تستطيعون ترطيبه ليلة كاملة فعليكم بترطيبه في الماء، جعله في الماء ساخن لمدة 4 ساعات، على الأقل 4 ساعات. عندنا ملون أو زعفران بلدي كما نقول، ملح، هذه التوابل، إبزار. نحتاج أيضا إلى زنجبيل، قطعة صغيرة من زنجبيل، الفول مي مهرمش، فول مهرمش أو مقطع قطع صغيرة. ونحتاج بالطبع إلى كرفسي بالعربية أو كرافس باللغة الدارجة، نقول الكرافس أو الكرفسي، القصبر والبقدنوس أو المعدنوس، فوالا، شيئا من المعدنوس. المعدنوس كلما أكثرتم منه فإنه جيد، فيه منافع كثيرة، فيه الحديد، فيه beaucoup de choses qui sont bien. كرافس بقدنوس أو الكرفسي البقدنوس والقصبر. وهاته شعرية أو شعرية صغيرة. سي à la fin، on va le laisser à la fin. Avant d'éteindre le feu, on met un petit peu de mina charia. نحتاج أيضا إلى طماط كونسنتري أو مطيشة، طماطم alors طماطم كونسنتري، طماطم عجين، طماطم ستجدونه في المحلات التجارية، علبة هكذا. هذا ما سنحتاجه، سأعيد بالفرنسية. On aura besoin de tomate concentrée, une boîte comme ça de 200 je crois 100, 140 grammes
une boîte de 140 grammes. On aura besoin de la viande, comme ça, en petits bouts. On a coupé en petits bouts. Viande de veau. De veau, si vous... Non, pas de veau. Normalement, on fait avec la viande d'agneau. Et si vous ne trouvez pas l'agneau, c'est de veau. Voilà. Mais l'agneau, de préférable. Un oignon, comme ça, un oignon. Si vous n'avez pas la rouge, un oignon rouge, vous pouvez mettre oignon blanc aussi. Et couper en petits. Gingembre, un petit morceau. On va couper juste un petit morceau. Alors, sel, curcuma et poivre. Ça, c'est pois chiche. On doit le tremper dans l'eau pendant une nuit. Si on ne peut pas le laisser une nuit, 4 heures dans l'eau chaude au moins. 4 heures. Ça, c'est les fèves. Les fèves en petits. Ouf, quelques grammes. 100. 50 plutôt. 50 grammes de fèves. 50. Et 50 grammes de vermicelle. Qu'on va mettre dans notre soupe à la fin. Alors, ça, c'est coriandre, un petit peu de coriandre, persil, bien sûr, qu'il est riche en fer, on aura besoin de beaucoup de persil. Si vous avez plus, vous pouvez mettre plus, hein. Persil, il y a beaucoup de fer dans le persil. Et ça, c'est céleri. Voilà, deux branches de céleri. Bon, je vais couper tout ce que j'ai ici. Et après, on va rencontrer. Regardez, on va le couper en petit parce que s'il y a les petits morceaux là qui restent et ils se cuisent pas bien, après quand on boit, ça gêne. D'accord? En plus petit, le plus petit possible. Hein? Voilà, comme ça. Badama. Badama. أطهينا الطماطم سنأخذ الماء لأنه مهم ومهم جدا ماء الطماطم مهم سنضيفه على الشوربة voilà et là on va mettre nos tomates ici dans la machine dans le moulinex et on va passer comme ça, c'est plus rapide. Hein? سنطحنوا الطماطم هنا وسأعود إليكم ونحتفظ بهذا الماء لأنه جيد جدا. بعدما طحنا الطماطم on va la mettre dans quelques minutes. وأيضا on a mis كذلك وضعنا البقدنوس والقزبر وكذلك الكرافس في الأول. الماء الذي غلت فيه الطماطم سوف نحتفظ به et il est très bon. On va le mettre dans notre marmite. Et là, on va mettre la viande. On va mettre pois chiche. Un morceau de gingembre. On va essayer d'enlever un petit peu la peau, زنجبيل سوف نعمل على إزالة القشرة هكذا. On va mettre aussi des fèves, الفول اليابس, des fèves sec. Voilà. أما الشعرية سنتركها للأخير. مع الطماطم عجين الطماطم سافي نترك هذا في الأخير في المرحلة النهائية طبعا سنضيف التوابل
une cuillère pleine et l'autre pas trop pleine de sel, curcuma, الملح طبعا الملح طبعا استعملنا ملعقتين الإبزار ملعقة مملوءة والأخرى غير مملوءة على ما أظن قلنا تومي وضعنا ما يجب وضعه يانا كي تلسا بيري دو طومات vous pouvez moi je préfère toujours la tomate les grains de tomate et je les cuis et je les passe dans la moulinex c'est beaucoup mieux mais si vous pouvez pas vous pouvez utiliser purée de tomate ou ce que vous avez mais le meilleur c'est avec la tomate en grain en grappe plutôt voilà là le coul huna ça la tangera c'est tarte qu'est-ce que j'ai dit en arabe je vais vous le répéter إن لم تستطيعوا أن تحصلوا على أحب من طماطم تستطيعون أن تستعملوا لا بيوري دو طومات أو عجينة طماطم هكذا سي ليكيد ولكن أفضل دائما حب طماطم حب فوالا لا سي بون جو في لا فيرمي إي لا ميتر سور لو فو On met bien sûr ça et à tout à l'heure. Voilà, après que notre cocotte minute est arrivée à ébullition pendant 15 minutes, on a regardé si les pois chiches sont bien cuits et tous les ingrédients, oui, c'est bien cuit. Hein? C'est très bien cuit, hop, c'est comme du beurre. C'est bien cuit, là, il reste la dernière étape, c'est, on appelle tzedouera. Avec un petit peu de farine et un petit peu de maïzena. Mais avant, je vais mettre la tomate concentrée. Deux grandes cuillères. Hein? C'est le pot qu'on a, que vous avez vu tout à l'heure, avant quand on a commencé. Hop. On va mettre tout le pot, c'était 140 grammes. Et on va bien sûr mélanger pour que... Elle reste pas une pâte. Voilà. Et là, on va faire tdouera à côté. Badama ralat tangerat addart. Les moudat 15 daqiqa. Fatahnaha faida bi l'hummus tazij. Wa jami' al-anasir aidan tazija. Jami' al-anasir tazija. Voilà. Tout est bien cuit. جميل عنا سرطازجة يبقى لنا التدويرة أبخي بعد التدويرة سنضيف الشعرية pour l'instant je vais laisser comme ça et on va préparer la dernière étape الآن سترون معي التدويرة الحريرة كومو إلي Ça sera une tadouira ou la dernière étape de notre soupe ou shorba ou harira. Une cuillère, deux cuillères, trois. De farine, trois cuillères de farine. Et on va mettre une cuillère de maïzena. Pourquoi? Pour que ça soit bien léger. Notre soupe, pas très pâteux. Et ça, on va le mélanger avec de l'eau. Voilà. On mélange bien, bien, bien. Il ne faut pas qu'il y aura des grumeaux. Et je vous خلط هذا الطحين او دقيق مع النشا مع ملعقة من النشا نخلطه جيدا جيدا حتى لا يبقى حبيبات
Et après, on va le rajouter à notre soupe. Ce douéra est là. Alors, on va la rajouter. Hein. Regardez, c'est comme de l'eau. Hein. 3 cuillères de farine et 1 cuillère de maïzena. Ça, c'est suffisant. Hop. Et on va mélanger immédiatement. Hein, parce qu'après, c'est pâteux. Immédiatement. Et on, voilà, ça devient déjà un petit peu pas liquide. Hein. Il est épaisse. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter un petit peu d'eau. حتى لا تكون الشوربة ثقيلة يجب أن نضيف الماء شيئا فشيئا حتى تكون خفيفة أن الشوربة الجيدة لا تكون moi je mets même des morceaux, des gros morceaux, mais vous pouvez ne pas les mettre parce qu'on a déjà mis des petits morceaux de viande, hein, des gros morceaux de viande, parce qu'ils m'ont resté, alors j'ai rajouté. Il y en a aussi qui mettent des lentilles. Les lentilles, c'est plein de fer, c'est riche en fer, en fibres, etc. C'est bien, mais ça donne une couleur très sombre pour notre soupe. Alors moi, je ne le mets pas. Voilà. Et là, dès qu'elle arrive à 100 degrés, on va rajouter vermicelle. Voilà. Chalia, après la pika, ou fine, des petites vermicelles fines. Et voilà. Si on éteint, il faut que la farine soit bien cuite aussi, jusqu'à ébullition. Mais une chose très très importante, chaque fois avec la cuillère de bois, il faut remuer. Et il faut pas que ça colle au fond de la marmite. Si ça colle, alors on a raté un petit peu. Mais il faut pas que ça colle parce que on aura le goût de la farine collée au fond de la marmite. Et ça, c'est pas bien. Non, il faut chaque fois remuer. Quand on fait cette soupe, il faut rester à côté. Il ne faut rien faire d'autre. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin et on éteint le feu. À ce moment-là, on pourra faire autre chose. D'accord? Voilà. On va continuer à remuer. Et ça, la dernière étape pour cette soupe, ou cette chorba, la marhala al-akhira, c'est chez Mina. Soit on met un petit peu soit de coriandre ou de persil ou de céleri. Ce qu'on a, de préférence, c'est le coriandre. Mais si on ne trouve pas, on peut mettre de persil ou de céleri. Alors, la marhala al-akhira, nos défauts, chez Mina al-qusbor, illam najid, le bakdanous, chez Hakada, ou al-karafs. Voilà. Et là, pour que ça donne la couleur et la couleur vert dessus notre soupe, et c'est excellent, ça donne envie de la boire. Alors on va porter à ébullition pendant quelques minutes et après on éteint et c'est prêt. D'accord, il faut pas couvrir, on laisse à moitié la couvercle. Pourquoi? Parce que ça déborde après. يجب ان نترك الغطاء على النصف لأنها ستفيض. من يمكن أن تفيض الشوربة. يجب أن نترك هكذا. Voilà, il faut qu'on soit là. Voilà, chaque fois il faut remuer. يجب أن يكون حضورنا دائم. بجانب هذه الشوربة يجب أن نحركها في كل وقت. Voilà, là je vois que c'est bien bien cuit. Voilà, la farine aussi est trop mélangée, homogène, c'est trop bien. Voilà. Là, il reste qu'à goûter le sel. S'il manque un petit peu de sel, on va rajouter. Et elle est prête. Voilà.
Voilà, notre soupe ou chorba est prête. Il manque qu'à servir. J'ai oublié de préciser quand même, il y a beaucoup de matière grasse dans la viande, alors j'ai pas mis beaucoup d'huile. L'huile, franchement, un bouchon. Si vous voulez le mettre, mais au début, un bouchon, pas plus, parce que la viande est déjà grasse. Si vous voulez ne pas le mettre, vous pouvez. Allez, on va servir. Hop. Ouais, il y a chorba ouais, d'yana. Voilà. Et c'est prêt. Msha oraha.